Thank you. Quel musicien, quelle finesse. Une technique, encore une fois, une technique de main assez complète et qui propose, encore une fois, une liberté de doigt gérée par un bon rapport agoniste-antagoniste. On voit très bien l'utilisation des muscles extenseurs des doigts et des intrinsèques de la main. Les doigts ne sont ni trop tendus ou à plat, et il alterne systématiquement avec des flexions harmonieuses et des releveurs de doigts qui lui permettent d'avoir une articulation et qui lui permet d'avoir toute la nuance nécessaire pour jouer. Et quelle adaptation également remarquable. Il se stabilise ici avec sa main gauche, jouant plus dans les aigus. Une finesse de jeu, une sensibilité évidemment. Alors peut-être une force intérieure qui lui a permis d'aller loin dans son expression. Une différence, comme beaucoup de musiciens. Sauf que cette différence se voit et qu'il est passé au-dessus de ce que peuvent penser les autres pour à tel point s'exposer et exposer sa musique, évidemment, son art. Voilà une main qui fonctionne parfaitement. Tout y est, c'est la magie de l'adaptation de l'homme, une adaptation qui nous permet, qui vous permet, qui te permet de pouvoir exprimer exactement le message que tu souhaites, la musique que tu veux. Et des exemples, il y en a des nombreux. À bientôt. Thank you.